ça, c'est l'état dans lequel j'étais quand j'ai fini mon premier marathon. Ouh, 42 km 195. Merci. Cet été, 2 mois avant son départ, Gauthier m'a proposé de venir l'accompagner pour aller courir un marathon un peu spécial. Intrigué par l'aventure proposée, pas très préparé, je m'envole avec lui direction la Norvège, Tromsø, à 400 km au nord du cercle polaire, dans la ville de 50 000 habitants la plus septentrionale au monde, à 2200 km du pôle nord. Autant vous dire qu'il faut se couvrir été comme hiver. Alors, comme cette ville est tout au nord, eh bien, je découvre que, entre mai et juillet, le soleil ne se couche pas. Sur place, j'ai l'impression qu'il reste à peu près à la même position, au-dessus de l'horizon, comme sur cette photo. Du coup, quand on sort de notre premier pub avec Gauthier, à 1h du matin, eh ben, il fait toujours jour. Mais franchement, on hallucine. Dehors, les gens sortent des bars, sortent de boîtes de nuit, titubent et vont se coucher. De nuit, en plein jour. Mais impossible de savoir l'heure qu'il est si on ne regarde pas sa montre. Bon, et quand vient le moment de se coucher, encore faut-il réussir à s'endormir. La maison n'a pas de volet. On doit prendre des serviettes et des couettes pour boucher les fenêtres. Et quand je me réveille après ma première nuit, qui a pourtant duré 8 heures, eh ben, j'ai l'impression d'avoir juste fait une bonne grosse sieste, parce que dehors, eh bien, le soleil n'a pas bougé. Avant d'aller courir ce marathon, nous allons réserver un camping-car avec Gauthier pour explorer pendant une semaine les Lofoten, qui sont des îles à côté de Tromsø. Et on en profite pour déguster une dernière fois une bonne bière et du saucisson. Car avant le marathon, régime strict, que de l'eau, et en plus je ne suis pas super bien préparé. Alors, moi là-bas j'étais venu courir un marathon, mais en arrivant dans la région et que je découvre l'archipel, ben, c'est une excellente surprise et un vrai plaisir d'explorer ces paysages. Devant moi j'ai la montagne qui borde la mer avec au pied des petites maisons multicolores. Mais le plus exceptionnel dans cette région, c'est la vue. La vue! Non mais regardez-moi ça! Il faut environ 2-3 heures d'escalade au sommet de la montagne pour arriver à 600 mètres de dénivelé, avec pique-nique et photo compris, pour avoir au loin des petites îles, l'eau turquoise, et c'est vraiment absolument magnifique. Et un truc qui est très pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder l'heure, car quoi qu'il arrive, eh ben, il fera toujours jour. Du coup, quand on arrive vers 20h au sommet du Matinde avec Gauthier, bah, il est à peu près 20h, et on prend un petit pique-nique, on prend des photos, et on peut rentrer tranquillement jusqu'au minivan à 23h en plein jour. De temps en temps, l'ascension prend un petit peu plus de temps, comme lorsque j'ai dû crapahuter sur la falaise pour accéder au rocher du diable, le Djevelporten à Svolvær. Et là, je peux vous dire que ce rocher à 200 mètres de haut sans filet, j'ai la peur de ma vie et je fais tout pour ne pas regarder en bas. Bon, et ce marathon, vous me direz, bah ça y est, c'est parti. On est sur la ligne de départ avec Gauthier, il y a 6000 personnes. Alors, c'est lui qui a eu l'idée qu'on se déguise en français. Et il se trouve que, en fait, c'est assez pratique d'avoir ce béret, parce que sur place, on se rend compte que la nuit, eh ben, il peut faire jusqu'à 5 degrés. Sur place, il y a 2-3 vikings de personnes déguisées, et on se fait vite repérer par le photographe officiel qui sort son appareil photo, et on terminera en couverture de la page Facebook du marathon. Donc les gens sont très curieux de nous voir habillés comme ça, ils viennent se faire prendre en photo, certains Français viennent discuter, nous demander comment on s'est retrouvés embarqués dans cette galère, et c'est super sympa de voir tout le monde. Donc le départ est donné à 20h30, place de l'hôtel de ville. Ensuite, on traversera le pont à 50 mètres de haut, ce sera le point culminant. Passage devant la cathédrale, petite boucle le long de la mer, retour sur le pont et redirection l'aéroport avec une autre boucle le long de la mer, avec l'air du large, ça va nous rafraîchir. Donc l'idée pour ce marathon, c'était de courir ensemble jusqu'au 30e kilomètre avec Gauthier, et ensuite de se séparer pour courir chacun notre allure. Moi, j'espère le faire en 4h30,
Et tout se passe bien jusqu'au 30e kilomètre. Et au moment du 30e, quand je veux accélérer pour prendre mon allure, là, j'ai un problème. Je rencontre le mur du marathon. Qu'est-ce que c'est ? Explication. Alors le mur, c'est un phénomène physique qui a lieu entre le 30e et le 35e kilomètre, lorsque dans votre corps, vous avez épuisé toutes les réserves de sucre du foie et des muscles et que vous devez aller puiser dans vos graisses pour avoir de l'énergie. Sauf que comme les graisses, c'est de l'énergie qui s'use lentement, eh bien vous n'avez plus d'énergie, vous avez du mal à avancer et vous n'avez plus de sucre et vous frôlez l'hypoglycémie. Donc ce phénomène, on l'a pas du tout au semi-marathon au 20e kilomètre, mais on le ressent bien au marathon. Et donc effectivement, quand je l'ai, surtout avec toutes les randos qu'on a fait avec Gauthier, j'ai des crampes aux jambes, j'ai du mal à avancer, je prends des gels énergisants et j'ai du mal à finir. Et là, j'avoue que les applaudissements des gens qui nous croisent déguisés, ça fait du bien pour le moral. Au final, j'arrive à 1h du matin, je l'ai fini en 4h45 et je suis très content de retrouver Gauthier à la mairie. Je suis épuisé, je suis affamé. Du coup, on part aller manger un énorme sandwich et le lendemain, on prendra une tournée de bière dans un bar et ça fera bien plaisir. Avec ce marathon, grâce à Gauthier, moi j'ai découvert qu'en fait, ça pouvait être un moyen d'aller explorer des régions totalement inattendues, pleines de surprises. Et ça m'a donné envie de continuer de faire des marathons et d'aller pourquoi pas faire un en Afrique du Sud, au milieu des girafes, ou bien à travers les temples de la Birmanie, ou de faire celui du Médoc, le plus long du monde, en 6h30 parce qu'on y boit du vin, ou bien celui de la Grande Muraille de Chine, qui m'a l'air très très dur vu le nombre de marches. Merci beaucoup.